La facture pour les couvertures d'assurance des propriétaires immobiliers risque encore d'augmenter dans la prochaine année. Au cours des dernières années, les hausses annuelles ont varié entre 10 et 35 %. La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec explique que la hausse des taxes foncières et les hausses des primes d'assurance sur des immeubles, ces hausses-là sont absorbées en totalité par les locataires. Le mécanisme s'applique avec la grille de fixation du prix du loyer au tribunal administratif du logement au prorata du loyer payé. Plusieurs propriétaires immobiliers tentent de juguler ces hausses de primes d'assurance en augmentant les déductibles. L'explosion du coût des assurances pour les propriétaires immobiliers s'explique par l'état du parc immobilier locatif qui est âgé dans la province. Le cadre réglementaire a eu un impact sur la capacité de certains propriétaires de rénover ou encore d'effectuer des travaux majeurs de réfection de leurs immeubles, selon la Corpic. Les règles rendent difficile la rentabilité lorsque des travaux majeurs sont effectués. Le contexte des changements climatiques a aussi pour effet d'augmenter les risques de sinistres. On s'attend à ce que ce soit encore des risques qui soient en croissance, mais encore plus de ça, que ça, ce qui vient exacerber la situation, c'est les hausses de coûts de rénovation, c'est les hausses de coûts de construction. Donc, c'est une industrie où il y a une pénurie de main-d'œuvre, c'est une industrie où les coûts sont en croissance. Donc, quand l'assureur calcule combien ça coûte reconstruire ou rénover, bien, cette année, son calcul va donner des chiffres plus élevés. Il est plus difficile parfois pour certains propriétaires immobiliers de trouver des couvertures d'assurance. Selon la Corpic, les assureurs ont tendance à se spécialiser dans des domaines spécifiques. Simon Gamache-Fortin, TVA Nouvelles, Rimouski.